Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tutoriel de l'album photo simple avec le premier kit, donc les papiers verts en partenariat avec Creative Hobby. Donc hier on a fait les pages, donc je vous montre. Moi je les ai finies pour le moment, voilà, donc ça se tournera comme ça. C'est toutes les mêmes, hein. J'ai fait simple. Voilà, avec les petites pochettes à chaque fois. Hop. Voilà. Là. Donc nous avons pour le moment 4 pages. Voilà. Et la dernière qui fait comme ceci. Hop. Vous voyez, avec le tampon et tout. Voilà. Donc, je pense qu'on va continuer à faire la couverture. Et après, on avisera par rapport à l'épaisseur et comment ça ferme et tout pour jouer avec les volumes. Donc, je vais commencer à faire la couverture qui va être très simple puisque nous allons découper un bout de cartonnette qui fait 3 cm de large. Sur 15,5 de haut. Et nous allons découper un carré qui fait 15,5, donc 16,5 de long sur 15,5 de haut. Voilà. Quoique même, non, je pourrais faire sur 16 quand même. Je vais voir. Vous savez, j'aime bien quand les pages ne sortent pas, que c'est pas trop juste. On va voir ça. Je vais voir si ça fait du... Si je le fais ressortir là un petit peu quand même. 16, 16 et demi. Je sais plus comment je l'avais fait, l'album de ma belle-mère. En fait, je l'ai fait qu'une fois, ce truc, et cette reliure, et je l'avais fait à l'arrache. Donc, 15 et demi. J'ai peur que ça fasse trop juste. Ouais, non, on va faire 15,5, je ne vais pas chercher. Donc, je vais découper ma cartonnette de 16 sur 16. Je ne vais pas chercher parce que... Donc... Je réfléchis, hein. Je suis désolée, mais... On va faire 15,5. Allez, hop. On verra bien. De toute façon, pire. Je recommencerai. Donc, 16 cm. 15,5, pardon. Sur... économiser la cartonnette quand même, je vais faire ça, j'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Je suis désolée, mais celle qui m'avait demandé où je l'avais acheté, je ne retrouve pas le site. Je l'ai cherché partout, je le retrouve pas, et comme j'avais commandé qu'une fois il y a un petit moment, c'est vrai que du coup je ne sais pas où, je ne sais plus, mais je continue à chercher, vous inquiétez pas. Donc 15,5. Ensuite, nous allons faire 3 cm de large. Donc, deux fois, il va le falloir, puisqu'il y a l'avant et l'arrière. De large.
encore un autre, ça fera l'arrière du coup. Et donc on a dit 15 et demi. Je vais quand même faire dépasser de 16 parce que 16, donc je vais couper à 16 et demi. Bon, après vous n'êtes pas obligé. Moi c'est parce que j'aime bien quand mes pages sont, il y a un peu de marge entre la reliure, la couverture et les pages. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous faites les mesures que vous voulez en fait. Après, c'est vraiment comme on veut, quoi. Donc ça, je le mets de côté. Ça me servira une autre fois. Et donc, il me refaut un carré de 15 et demi sur 16 et demi. Donc celui-là, il fait... Bien sûr, il est trop petit. Je vais en prendre une autre. En plus, j'ai pas mes chutes là du coup. J'ai dit combien? Donc, j'en reprends une autre. Bien sûr, je le jette pas. Hein, on le garde. Ça resserre après pour faire des tranches et tout ça. Donc, je repars sur 15 et demi. Vous pouvez très bien le faire avec du carton de céréales, vous pouvez le faire avec du carton d'emballage, faire ce que vous voulez. Moi, c'est parce que j'ai des cartonnets quand même. Et donc, sur 16 et demi, je coupe. Donc, je vérifie que ce soit droit. Peu près au moins. Et cela. Vous voyez? Non, cela, je ne sais pas si. Donc, je vais bien sûr faire ma couverture avec du papier marron. Comme pour les pages. Voilà. Je viens regarder là que j'en ai assez pour. Voilà. C'est parfait. Je vais quand même faire des plis pour être sûre d'être droite. Mais si vous êtes droite en temps normal, vous n'avez pas besoin de faire ça. Non, c'est parce que je suis jamais droite, donc ça m'aide comme il faut quand même de faire ça. Donc je vais prendre ma feuille et je vais faire les plis. Donc j'ai décidé de laisser 2,5. 2,5. Ça me fait du 7,5. Donc je me mets sur le 5. 2,5. 18, 18, 24. Ça va pas aller, ça, si. Parce que c'est le bon côté. Je fais les plis. Ensuite, je mets ma feuille comme ceci. Et là, je vais venir regarder à peu près.
pour être à peu près au milieu. Voilà, donc je m'aide avec le carton, ce sera plus rapide. C'est de l'à peu près, hein, c'est vraiment pour m'aider pour par rapport au pliage. Voilà, et là par contre, je vais venir pour faire aussi celui-là. Donc, pardon, je vais laisser 0,5. Je vais faire un pli, ça ce sera le... comment ça s'appelle? L'espace entre les deux cartonnettes. Et là je fais à 3. Voilà. Et donc là vous voyez j'ai mon tracé, donc la tranche, et après c'est la couverture. Je vais faire pareil sur l'autre. Pareil, je prends je tourne et donc là pareil je vais faire à peu près de l'à peu près, donc là je vais faire un pli à 4. Après, je vais faire un 0,5 pour l'espace entre les cartonnettes. Et je reprends. Et là, je fais à 3. Voilà. Donc, comme ça, j'ai les traces et ce sera plus facile. Je vais coller mes cartonnettes. Par contre, je sais pas si je fais les trous maintenant ou après, en fait. Donc, alors là, je suis en train de prendre le milieu de la tranche, donc à 1,5. Et j'ai mesuré, donc j'ai fait un petit point à 5,5 et un autre à 5,5. 5,5 en haut, 5,5 en bas. Et donc là, je viens pour faire les trous. 5,5 et 5,5. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais venir prendre une crop die. Je regarde que c'est le gros. Ouais. Et donc là, je vais venir me placer et faire les trous. Donc j'essaye d'être à peu près au milieu. Voilà ce que ça donne. Du coup, après, ça m'aidera pour perforer les feuilles. Donc voilà, je vais faire pareil pour l'autre. Donc là, hein, pas besoin, je les superpositionne et puis je les maintiens bien. Et ça devrait aller tout seul. Je vise bien, par contre, je fais attention d'être bien sur au milieu. Et voilà. J'ai mes deux trous de la tranche qui sont prêts. Donc ça, hop. Et donc là, je viens coller. Alors là, je vais le faire à la colle. Mais vous pouvez le faire à double face. Donc je marque juste les plis.
Là. Et donc, je vais venir coller. Oh, quoi que non, je vais le faire avec celui-là. Parce que là, je m'en fiche, ça va pas se voir le blanc, puisque c'est il va y avoir du papier dessus. Parce qu'en fait, j'ai pas mes pinces. Elles sont à l'atelier. Les petites pinces pour maintenir. Donc, je viens coller. Là, en fait, j'ai pas besoin. Je vais juste me mettre là. Voilà. Je viens vérifier le sens, puisque c'est pas la même dimension. Et là, je vais le couper. J'essaye d'être à peu près droite et on appuie. Et là, donc, du coup, je viens faire pareil avec la tranche. En fait, là, ça va être trop large. Et là, pareil, je viens juste le coller. Non, par contre, celui-là, je vais prendre ça parce que pour faire les trous, le blanc, il est trop épais, ça va me coller partout. Super. Est-ce que j'en avais un autre? Ah. Il me semblait bien que j'en avais un autre. Donc, je viens coller celui-là. Si j'y arrive, non, je ne vais pas coller celui-là. Et donc là, je viens le coller. Avant de continuer, je vais venir refaire les trous parce qu'après ça se verra plus. Donc, comme ça, au moins je perds pas mes trous. Je viens juste l'appuyer un petit peu là, ça colle bien. Là, je me replace pour faire mes trous. Alors, si vous n'avez pas la crotte d'ail, vous pouvez le faire très bien le faire, vous savez, avec les petits trucs pour faire les trous sur les classeurs. Il y a deux trous à côté. Ça va très bien aussi, sauf peut-être pour la cartonnette, suivant ce que vous avez. Mais sinon, ça ira très bien aussi. Moi, je le faisais avec ça avant. Voilà. Je vais venir couper les bouts. Ben là, je coupe un peu quand même, parce qu'il y en a beaucoup de...
Alors, je viens couper les angles en laissant quand même un peu de marge pour la cartonnette. Non, en fait, là, je me suis trompée. Il fallait pas le couper, là, à ce niveau-là. C'est pas grave. Mais vous ne faites pas la même erreur. Comment vous coupez pas, là? Vous laissez comme ça. Et donc, là, je viens coller. Alors, hop. Je le mets bien au bord. Ça, bien sûr, je le jette pas. Là, je viens bien assouplir le papier avant. Et là, hop, je viens le coller. Vous voyez, là, il fallait pas le couper. J'étais partie pour faire une boîte, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On arrangera ça. Donc là, pareil. Là, du coup, je sais pas comment ça va faire. Bon, là je rajouterai un bout de papier, ça fera pareil. Je vais le faire maintenant d'ailleurs, comme ça au moins ce sera fait. Donc je prends mon double face. Comme ça, ce sera maintenu par le reste. J'ai du mal aujourd'hui avec les doubles faces. Et donc là, je vais me mettre au bord pour cacher en fait. Et je viens appuyer. Je viens juste couper là, puisque je vois que ça va me gêner après. Et voilà. Et ni vu ni connu. Et donc là, ben, je vais continuer à faire l'autre côté. Donc, pareil, je mets le double face au bord, bien au bord. Et je coupe. Celui-là, je vais le mettre de l'autre côté, ce sera fait. Rajouterai après. Donc j'enlève le surplus. Là, je viens rentrer le bord vers l'intérieur. Et là,
je fais l'autre côté aussi. Je vais juste rajouter un petit bout là, à ce niveau-là. Je viens appuyer, rentrer les angles. Alors, je ne sais pas trop les faire, les angles, vous le savez. Et là, pareil, on vient appuyer. Donc voilà. Là, je viens refaire les trous. Voilà. Et là, je n'aurai plus que ce côté à décorer. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais avant, je vérifie quand même que ça va bien passer avec mes pages. Vous voyez ce que ça va donner niveau... Là, ce sera la même largeur. Et après, ça dépassera un petit peu. Voilà. Non, mais je fais l'autre couverture et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors, j'ai fait les deux couvertures. Là, je suis venue coller un papier qui faisait 19, je crois. Je revérifie, mais je crois que c'était 19,5. Ouais, 19,5 de long sur 15 de haut, parce que je laisse toujours, en fait, comme ça fait 15,5, du coup, j'enlève toujours un demi-centimètre. Donc, pour qu'on voie un petit peu, mais pas trop. Voilà. Donc, j'ai mes couvertures qui sont prêtes. Vous voyez, maintenant, on va venir mettre les pages comme ceci à l'intérieur. Et en fait, le but, ça va être que ça fasse comme ceci. En gros. Et là, ce sera la reliure, en fait. On passera un ruban. Et... Par contre, si... Vous le voyez avant, j'aurais dû laisser un demi centimètre là, en fait, entre la reliure, donc, et le début de la page, puisque là, j'ai laissé un demi centimètre. Donc, du coup, moi, je vais décaler mes trous là d'un demi centimètre. Donc, je vais faire mes trous à un centimètre au lieu de les faire à un et demi au milieu. Ça ne changera pas grand-chose, hein, mais... Donc, ouais, c'est ça. Je vais les faire à 1 cm. Donc, pareil, je prends... Bon, là, j'ai que le stylo, mais je fais un trait à 1 cm. Ça ne se verra pas, là, de toute façon. Donc, Et ensuite, je viens faire un à 5,5. Et l'autre à 5,5. Voilà. Donc, je reprends ma coupe d'ail. Et là, je viens faire le trou comme tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, c'est à 1 cm du coup, au lieu de 1,5. Donc, je vérifie que j'ai bien, voyez, je ne sais pas si vous allez le voir là. Du coup, ça va me donner plus d'aisance sur la page. Voilà, donc là où vous le faites avant, vous laissez
Vous faites un demi-centimètre entre la reliure et la page à la construction, si c'est pas trop tard. Ou alors vous faites comme moi, vous reculez d'un demi-centimètre. Vous voyez, il y a un petit décalage. Ça, c'est pas grave, de toute façon, ça se verra pas. Voilà. Et donc, eh ben, pour faire les autres, rien de plus facile. Je prends, je le mets bien pareil. Et je viens. Repasser sur le même trou. Et je fais ça sur les quatre pages. Alors attendez, parce que par contre, du coup, je sais plus les pages. Donc ça, c'est là. Pas très très droit ça. Et quand je vous dis que j'ai du mal à être droite, ouais. Voilà. Et les dernières pages. Donc je me mets bien droite. Et on y va. Donc voilà. Donc ça va me donner. Je regarde par rapport aux couleurs des pages. Je vais mettre plutôt ça là, comme ça. Non, ça là, là. Hop, voilà. Donc là, on vérifie que tous les trous tombent bien en face. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. C'est bon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, ça va donner ceci. Voilà. Donc là, déjà d'entrée, je vois qu'il y a trop d'épaisseur à ce côté-là. Voyez? Il va rester un peu ouvert. Donc déjà, je vais rajouter des épaisseurs au niveau de la reliure. Je vais faire comme on a fait pour les pages. Je vais faire des bandes de 3 cm sur 15,5 de haut. Et je vais les mettre entre. Faire pareil. Et je vais venir peut-être coller des intégrer des petites pages en plus. Ouais, ça me plairait bien ça. Voyons si je fais. Là, ça fait combien? Vous voyez, là, ça fait 15,5 de haut. Donc, si je viens là, peut-être intégrer des pages entre. Ça va être sympa, oui. Je vais y mettre des pages aussi. Donc, on va prendre du papier. Toujours pareil, le même. Donc on va faire là c'est des chutes, hein, je regarde par rapport aux chutes. Voilà, donc je vais faire du 15,5 de haut, forcément, puisque ça fait 15,5 de haut. Et sur, alors il faut 3 pour la reliure, plus un demi, ça fait 3,5. 3,5, 4, 15 cm.
pile poil. Et donc je vais en faire deux comme ça. Du 15,5 de large et de haut sur 15 pile poil. Je vais prendre ma planche pour faire les rayures, les plis. Mais par contre, du coup, je vais pas oublier de faire le centimètre, le demi-centimètre. Quoique non, du coup, ça va pas aller. Et oui, non, ça va pas aller. Si je mets le demi-centimètre, il va être en décalage avec les autres dépages. Donc, non, non. Oubliez ce que j'ai dit. Donc, du coup, je vais couper. Il faut que ça fasse 14,5. Donc, alors. J'ai coupé. Donc, du coup, je vous rappelle, ça fait 15,5 de long pour la hauteur. Et 14 de la... pour la largeur. Donc je fais un pli à 3 cm sur la largeur de 14. Voilà. Donc là je fais un fer. On verra bien après. Voilà. Hop. Là, je viens plier de deux côtés. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, je vais vérifier que ça, l'épaisseur, ça aille mieux comme ça. Donc, je les mets pas à l'endroit, ça va pas le faire. Donc ça. Là, ça fera trop. Donc je mets celle-là là. Celle-là là et celle-là là. Et là, je viens juste vérifier en fait en mettant mes pages entre que ça épaississe un peu. Là, je mets 4, on aurait pu en faire même 5. Donc, déjà, ça va un peu mieux. Voilà. Je vais en rajouter une derrière. Et ouais, je sais pas trop. Je vais en rajouter une. Donc celle-là, est-ce qu'il vaut 15 sur. Non, ceux-là, ils sont trop courts. Donc, ben, je prends une autre feuille. Hop. Et je viens couper à nouveau à 15,5 sur 14. Je fais le pli. Et je fais le pli à 3. Bien sûr, sur la largeur de 14. Voilà. Et ça ira derrière.
Ça ira. Donc voilà ce que ça va donner. Il y aura une page là, après ça fera comme ça. Et ainsi de suite. Donc je vais venir faire les trous, toujours pareil comme tout à l'heure. Je viens me mettre bien au bord. Voilà. Et là, je viens faire les trous. Vous pouvez vous le faire au... Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le faire avec des points. Faites le point. Et au moins. Donc, voilà. Et je continue. Je le fais sur toutes. Donc, je le fais. On se retrouve tout à l'heure. Donc, alors, je vais mettre des œillets... Je crois que ça s'appelle des œillets. Je sais plus, j'ai un trou. Vous savez, pour consolider la reliure, là. Voilà, comme ça. Donc, je vais les mettre. Donc, du coup, il en faut 4. Est-ce que c'était les mêmes? Donc il en faut 4. On peut aussi en mettre sur toutes les pages. Je ne sais pas si je le ferai. Alors ça, du coup, en fait, je ne sais pas, je m'en suis jamais servi en fait. Donc comme ça. Ah oui, c'est ça, c'est un... Voilà, c'est comme ça. Donc, alors je sais pas dans quel côté on le met. De quel côté c'est? Bon, apparemment, c'est bon. Voilà, donc je l'ai mis de ce côté-là. Donc je vais juste le refaire une fois pour être sûr que ce soit bien mis. Et là, pareil, je viens appuyer. Voilà. Donc je fais pareil pour l'autre. Même punition. Comme ça. Comme ça, je le mets le joli là, le bombé de à l'extérieur. Hein, par contre, hein. Vous voyez là, il y a l'intérieur. Et donc, j'appuie. Voilà. Alors, je sais pas si je le ferai sur toutes les pages. Je regarderai tout à l'heure quand ce sera fini. Si j'ai le Si j'en ai assez, parce que j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, hop, hop. Donc ça, c'est le derrière. Ça, je vais quand même regarder avant de continuer ce que ça donne au niveau de la reliure avec le ruban. Donc pour le ruban, je vais mettre du doré comme ceci. Donc je vais regarder ce que ça donne et après on continuera, on avisera par rapport à ce qui va pas. Donc je vais le couper en pointe. Et alors je vais faire comme ça, je le retourne et donc là je vais venir mettre mes feuilles une à une. Et après comme ça je verrai à peu près l'épaisseur qui va, ce qui va pas. Voilà, pour que ce soit à peu près
plat et non pas à moitié ouvert. Après, de toute façon, je pense qu'il faudra venir mettre les petites bandes de 3 cm pour faire un peu d'épaisseur au niveau de la reliure. Ce qui est logique puisque on n'a pas le même niveau partout. Voilà. Là, je viens du coup. Donc, elle va se mettre. Ça. Ça. Ah ben oui, non, c'est dans ce sens-là en fait. C'est sûr que comme ça, je pouvais pas y arriver. Et donc la couverture vient comme ceci. Voilà. Donc là, je viens couper parce que ce sera beaucoup plus facile. Surtout que là, du coup, j'ai mis à l'envers. Donc ça. Ça, je viens passer du coup là. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Après, là je n'en ai pas, mais sinon on peut faire avec des pinces, on met tous les trous en face et on le fait en une fois. Ça. Mais là je n'en ai pas, donc je fais un par un. J'essaye de me dépêcher. Donc voilà, on met ça bien. Et puis là, on va venir serrer un petit peu pour voir ce que ça donne. Mais alors, léger. Hein. Voilà, qui est quand même de la marge. Donc, on va regarder comment ça s'ouvre. Excusez-moi. Donc voilà, alors voilà, je l'ai mis à l'envers, bien sûr. Hein, mais ça se présente comme ceci. Voilà. Donc là, ça a l'air correct. Le seul truc, c'est que là, sur la reliure, je vais effectivement rajouter les lames de 3 cm pour donner un peu d'épaisseur et consolider en même temps les feuilles. Donc du coup je vais quand même les mettre et sur les petites pages en fait que j'ai sur celle-là. Voilà. Donc, je vais en mettre une devant, une derrière et puis on va faire ça. Donc j'ai pris des bandes de 3 cm. Voilà. Donc je vais prendre le double face.